Bonjour à tous, ici Bendaou Zineb dans votre programme du jeudi matin, Fondements et expérience de la démocratie. Sont avec moi aujourd'hui trois invités spéciaux. Ruta Younes, docteur en sciences politiques et histoire. Ihda Salma, étudiante à Sciences Po Paris en droit international et sciences politiques. Et enfin, Edlimi Souey, politologue. Ensemble, ils vont tenter de répondre à la question du jour. Quels sont les principes, fonctionnements et limites de la démocratie. Pour mieux répondre à cette question, je vais tout d'abord, chers téléspectateurs, vous recontextualiser l'histoire de la démocratie afin que, par la suite, sa mise en relation avec le monde actuel vous soit assurée. Au cœur de l'acropole athénienne, les Grecs façonnent et mettent en place, au début du 5e siècle avant Jésus-Christ, un nouveau régime politique, la démocratie. Celle-ci, instaurée à la suite des réformes cléisténiennes en -508, qui mettent fin au modèle tyrannique, octroie la souveraineté au peuple. Comme son étymologie grecque l'indique, démos, peuple, et kratos, pouvoir. Certains Athéniens deviennent ainsi des citoyens égaux en droit et qui participent à la vie politique, religieuse et judiciaire de leur cité, tout en se consacrant à la défense militaire de cette dernière, à l'issue de l'éphébie, qui est le temps d'instruction civique et militaire d'une durée de 2 ans, destiné aux jeunes gens de 18 à 20 ans à Athènes. Cette démocratie directe permet aux citoyens de prendre part aux grandes décisions et responsabilités. Ils se réunissent à l'Ecclésia, et par le biais du suffrage et du tirage au sort, les citoyens prennent part à tour de rôle au tribunal de l'Élie, une assemblée de 6000 citoyens chargés de rendre la justice. Et à la boulée, ils votent ainsi les lois et préparent les séances de l'Ecclésia. Aussi, chaque année, sont élus 10 stratèges qui s'occupent de la politique étrangère et sont tirés au sort 10 archontes qui gèrent la politique intérieure. Ensemble, les archontes et les stratèges forment les magistrats. À noter que chaque citoyen ne peut être magistrat qu'une seule fois pour assurer la stabilité de la démocratie et éviter que l'un des magistrats ne prenne le pouvoir. La police se voit alors égrenée de forums démocratiques et d'institutions politiques majeures telles que la Phénix, où les citoyens honorent la déesse Athéna, ainsi que le théâtre de Dionysos, où l'on débat de la vie de la cité et qui vise à faire réfléchir le citoyen sur son rôle au sein de celle-ci. Toutefois, seule une minorité, 40 000 habitants sur 360 000, jouit de ces nouveaux droits politico-civiques. En effet, les femmes, les métèques, qui sont les étrangers résidant à Athènes, et les esclaves sont exclus de la citoyenneté. Le régime démocratique, fragile et limité, est alors progressivement menacé par la démagogie, certains philosophes et les révolutions oligarchiques qui font régner la terreur. Ainsi, la démocratie a provoqué au travers des siècles des contestations et suscite encore aujourd'hui des débats permanents. Essayons maintenant de répondre à notre problématique du début. Quels sont, alors, les principes, fonctionnements et limites de la démocratie? Je donne maintenant la parole à notre première invitée, Madame Ihda Salma, qui va nous parler de ce qu'est en réalité la démocratie. Bonjour à tous, bonjour Zineb. Donc tout d'abord, je me présente, je m'appelle Ihda Salma et je suis une élève à Sciences Po Paris, en sciences politiques et droit international. Donc je suis très ravie d'être aujourd'hui invitée dans votre émission. Permettez-moi d'aborder les principes, valeurs et desseins de la démocratie. La démocratie est un système politique où chaque citoyen peut librement exprimer ses idées et adhérer au parti politique de son choix, où plusieurs partis politiques existent et où les pouvoirs judiciaires, législatifs et exécutifs sont séparés en n'étant pas détenus par la même personne. Merci Madame Ihda pour ces explications. Je donne maintenant la parole à Monsieur Ruta Younes. Bonjour à tous, merci Zineb de m'avoir invité. Tout le plaisir est pour moi. Tout d'abord, il est important de savoir que la Constitution de 1793 octroyait au peuple le droit de proposer les lois et celui de veto. Toutefois, ce système ne fut jamais réellement appliqué à cause de la période de la Terreur. En 1789, ce sont alors, et je cite, « les représentants élus du peuple français, réunis en Assemblée nationale, qui adoptent la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ». Celle-ci affirme d'ailleurs que la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum,
comme il est mentionné dans l'article 3 de la Constitution du 4 octobre 1958. Dès lors, la démocratie représentative est perçue par certains penseurs comme n'étant qu'illusoire, comme l'affirme le philosophe des Lumières Jean-Jacques Rousseau en mentionnant, et je cite, « Le peuple ne peut avoir de représentants, parce qu'il est impossible de s'assurer qu'ils ne substitueront point leur volonté aux siennes. » Pour d'autres, il semble aberrant de vouloir faire participer directement l'ensemble des citoyens au vote des lois, comme le souligne d'ailleurs le philosophe Benjamin Constant en postulant « Le système représentatif est une procuration donnée à un certain nombre d'hommes par la masse du peuple qui veut que ses intérêts soient défendus, et qui néanmoins n'a pas le temps de les défendre toujours lui-même. » D'ailleurs, environ la moitié de la population mondiale vit sous une démocratie représentative, ce qui montre que cette dernière est plus répandue que celle directe. La Suisse est néanmoins l'un des premiers pays à avoir posé les premiers jalons de démocratie directe. Par exemple, le référendum veto mis en place va permettre aux citoyens suisses de remettre en cause des décisions prises par le Conseil et le Parlement. Merci Monsieur Younes et Madame Salma pour ces explications. Monsieur Edlimi Soué, la parole est à vous. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Soué Edlimi, je suis politologue et je suis là aujourd'hui sur la sollicitation de Zineb Bendaoud, que je remercie d'ailleurs pour sa confiance, pour vous parler de la démocratie. Eh bien, pour poursuivre cette discussion sur les valeurs et les principes de la démocratie, j'aimerais vous parler de l'état de droit. Alors, il faut savoir que l'instauration de la démocratie implique la protection des libertés des citoyens et cela passe par la mise en place d'un état de droit. Tout d'abord, nous devons définir cette notion. On lui accorde deux définitions. Une juridique, selon laquelle un état de droit est un état où il y a des lois, donc théoriquement même une dictature est un état de droit du moment où il y a des lois qui sont écrites dans la Constitution. Et une définition philosophique à laquelle nous reviendrons plus tard. Ce concept fait d'abord son apparition dans la Magna Carta, une grande charte qui reconnaît pour la première fois les libertés en 1215. Puis, il devient une revendication lors de la révolution de 1789. L'état de droit permet d'éviter la domination d'un groupe de la population sur un autre, car détenant plus de pouvoir, et constitue donc une mesure empêchant l'exercice arbitraire du pouvoir. Pour cela, l'État met en place une loi précise qui s'applique à tous et devant être respectée par l'ensemble de la population, y compris ceux qui ont pour rôle de l'exercer et de l'ériger, sous peine de sanction. Ce faisant, les représentants de l'État ont un pouvoir limité sur la nation, permettant aux citoyens de bénéficier d'une égalité en droit, peu importe leur situation sociale. En d'autres termes, l'État de droit permet la protection des droits et libertés de tous les citoyens qui sont égaux face à la loi, qui les protègent et qu'ils doivent connaître et respecter. De nos jours, de très nombreux pays ont adopté un régime démocratique dit indirect ou représentatif. Il s'agit d'un système politique dans lequel la volonté des citoyens s'exprime à travers une assemblée représentante qu'ils auront élue. Nous pouvons dénombrer plusieurs régimes démocratiques indirects, notamment la démocratie parlementaire, instaurée dans de nombreux pays d'Europe comme l'Allemagne ou le Royaume-Uni, dans laquelle le Parlement détient l'essentiel du pouvoir. Par ailleurs, est mise en place aux États-Unis d'Amérique une démocratie présidentielle. Le président qui est élu au suffrage universel détient le pouvoir exécutif. En France, la démocratie mise en place est une démocratie semi-présidentielle. Le président de la République est alors élu au suffrage universel, mais le pouvoir exécutif est partagé entre le Premier ministre et le président. D'autre part, la démocratie participative gagne de l'attention suite au désintérêt croissant des citoyens dans l'expression de leur pouvoir en politique, à l'origine d'une crise ou dépression de la démocratie que nous détaillerons par la suite. Cette démocratie participative est un régime politique faisant intervenir la concertation publique et la coélaboration de la conférence des citoyens afin de réaffirmer la cohésion sociale au sein du territoire, et ce tout en renforçant l'engagement et la participation active des citoyens dans les affaires politiques de leur pays.
Maintenant, les conditions, organisation et fonctionnement de la démocratie. Donc, il faut savoir que le citoyen français dispose du droit de suffrage de choisir son représentant, c'est-à-dire maire, député ou le président de la République. Il peut également s'exprimer en politique lorsqu'il est parfois consulté par le référendum. En France, le vote se fait au suffrage universel, c'est-à-dire que tous les citoyens ayant plus de 18 ans et étant inscrits sur les listes électorales peuvent voter. Pendant longtemps, le suffrage censitaire imposait aux citoyens de payer un montant minimal d'impôts pour pouvoir voter. De même, les Françaises n'ont pu voter pour la première fois qu'en 1945. Elles avaient donc, jusque-là, un statut semblable à celui des Athéniennes relaté par Zineb précédemment. D'ailleurs, Victor Hugo signalait déjà en 1875 dans son ouvrage « Actes et paroles depuis l'exil » et je cite « Dans notre législation telle qu'elle est, la femme ne possède pas, elle ne vote pas, elle ne compte pas. Il y a des citoyens, il n'y a pas de citoyennes. C'est là un état violent. Il faut que ça cesse. » Dans certains pays, comme en Belgique, en Australie ou encore au Luxembourg, le vote est obligatoire. A l'inverse, il ne l'est pas en France, bien que l'assertion suivante soit inscrite sur la carte électorale de tout citoyen. Voter est un droit, c'est aussi un devoir civique. Alors je vais approfondir le point sur l'organisation et le fonctionnement de la démocratie, en parlant tout d'abord de la campagne électorale. Alors vous me direz, la campagne électorale, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est toute la période qui précède les élections. Les candidats aux élections font donc campagne, leur promotion, dans le but de se faire connaître des électeurs, partager leur programme électoral et sans oublier leur objectif premier, récolter un maximum de voix. Néanmoins, il est nécessaire de noter qu'il existe la campagne électorale et la campagne électorale officielle. Il existe des candidats qui déclarent leur intention de se présenter à une élection plusieurs mois avant cette dernière. Libre à eux d'être actifs sur les réseaux sociaux, d'intervenir dans les médias. Sauf qu'en réalité, la durée de la campagne électorale officielle varie selon les textes, mais est nettement moins longue et quant à elle, possède une durée limitée. Alors, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, la CSA, se doit par ailleurs d'assurer la possibilité aux différents candidats de bénéficier d'une égalité de traitement, et ce même en dehors de la campagne officielle, en faisant ainsi respecter le pluralisme électoral dès la pré-campagne, ou du moins essayer d'assurer cela. Et à partir du moment où commence la campagne officielle, les différents électeurs disposent gratuitement de temps d'antenne à la radio et à la télévision. La campagne doit également être loyale. Certains moyens, comme l'utilisation de rumeurs désobligeantes à l'égard de l'adversaire, ne sont pas admis. Donc il faut savoir que les élections se passent différemment en fonction de leur échelle, c'est-à-dire communautaire, municipale, départementale, régionale, etc. Mais le concept reste identique. Donc en effet, au bureau de vote, l'électeur français vote dans un isoloir afin qu'il puisse s'exprimer librement et en se détachant de toute pression extérieure, comme l'indiquent les articles 3 et 4 de la Constitution de la Ve République. Donc je cite article 3. Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret. Son électeur, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux, français, majeurs, des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques. Article 4. La loi garantit les expressions pluralistes, des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la nation. Les élus se voient souvent reprocher, en plus de leur démagogie parfois populiste, leur méconnaissance du monde réel et leur décalage par rapport aux attentes des citoyens. En effet, ils voteraient entre eux, pour eux et sans le peuple, créant alors un phénomène élitiste et oligarchique. En découle alors une crise de la représentation politique. La démocratie ne répondrait donc plus à la définition donnée par Périclès il y a 2500 ans, reprise par Abraham Lincoln, président des États-Unis de 1860 à 1865, et inscrite dans l'article 2 de la Constitution française de 1958. Je cite « Le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ». Cela provoque alors la montée de la défiance, du repli identitaire et du communautarisme, puisqu'on considère que nos semblables sont plus à même de nous comprendre et donc, naturellement, entreprendre de meilleures décisions,
puisqu'ils sont dans la même situation. D'autre part, le modèle représentatif est progressivement remis en question. En effet, il doit faire face à un abstentionnisme croissant et une réelle volatilité électorale. Aujourd'hui, 10 millions de Français préfèrent ne pas voter. Pire encore, on comptait plus de 57% d'abstention lors des législatives de 2017. Une réelle crise de la confiance semble donc se pérenniser entre l'opinion publique d'une part et les politiciens de l'autre. De plus, les difficultés économiques remettant en cause l'État-providence, la corruption et la crise de la confiance politique entraînent un repli sur la sphère privée ainsi qu'un désengagement vis-à-vis des syndicats et des partis politiques. Par ailleurs, la multiplication des scrutins, notamment en Suisse, pourrait également expliquer le fait que le taux de participation moyen au référendum a rarement dépassé les 50% depuis le début du XXIe siècle. En réaction à cette déception, de nouveaux modes d'expression en politique se développent. Alors que le vote traditionnel est progressivement délaissé, les pétitions et les mouvements de manifestation, tels que Nuit debout, Occupy Wall Street et Indignados, gagnent de l'ampleur. Cela montre alors que les citoyens ne sont pas, au fond, tout à fait insensibles aux affaires politiques. De plus, les réseaux sociaux, les plateformes de participation citoyenne, comme Questionnez vos élus, Démocratie ouverte ou encore Vox, ainsi que la multiplication de sondages et de différentes associations, ont profondément ébranlé la façon de participer à la vie démocratique. Intéressons-nous maintenant à la théorie du philosophe, politologue et conservateur social Alexis de Tocqueville. Sa réflexion illustre convenablement les principes, exercices et limites d'une démocratie. Tocqueville a étudié en Amérique son système carcéral, d'où il sortira un livre de la démocratie en Amérique. L'idée démocratique vient de sa méthode assez connue qui est l'observation et la comparaison. Selon Tocqueville, la démocratie en Amérique se base sur des principes qui sont l'égalité des conditions et l'égalité sociale. L'Amérique est un état social démocratique et ces principes sont bien évidemment renforcés par la souveraineté du peuple, le vote et les institutions. Vont être l'ensemble de cette structure politique. En revanche, on retrouve des limites à ce régime, qui sont l'individualisme, le populisme, c'est-à-dire un discours politique s'adressant aux classes populaires fondé sur la critique du système et de ses représentants, bien sûr. Mais il y a également la tyrannie de la majorité, qui est une conséquence indésirable de la démocratie par laquelle une majorité démocratique peut opprimer une minorité si la démocratie n'est pas accompagnée de la reconnaissance de certains droits pour protéger les minorités. Puis, la tyrannie douce, qui est le fait de profiter du désintérêt des citoyens pour leurs devoirs politiques, des ambitions sans scrupules ou des fractions parlant au nom de la foule absente et inattentive, comme le dit Tocqueville. Enfin, le despotisme doux, qui signifie que le pouvoir est cédé à un représentant non contrôlé. Une démocrature est une dictature camouflée sous l'apparence d'une démocratie. Ce terme fait sa première apparition dans les médias en 1987. Mais officiellement, ce régime politique n'existe évidemment pas. Vous n'entendrez donc jamais aucun chef d'État s'en réclamer. Pourtant, il y a un paradoxe puisque l'actualité regorge de pays appliquant ce régime mi-démocratique, mi-dictatorial. En effet, ce sont des pays avec un parlement, des institutions et même des élections. Mais qui, à bien y regarder, confisque le pouvoir grâce à une mainmise pernicieuse sur les médias, un musellement tacite de la justice et une répression féroce des contestataires. Dernier exemple en date, la Russie. Il suffisait de voir le débat entre les candidats à la présidentielle, pendant que des opposants éliminés d'avance se sont littéralement bagarrés en direct. Le président sortant a boycotté le débat. Sa victoire étant déjà acquise, pourquoi se fatiguer à jouer le jeu démocratique? Pareil en Biélorussie, où Alexander Loukachenko, aussi surnommé Batka, le père en Biélorussie. Il détient le pouvoir depuis près de 20 ans, et beaucoup en Europe le surnomment le dernier dictateur. La raison? Il détient
la mainmise sur les médias et les élections sont douteuses. Il a gagné les élections de 2017 avec près de 84% des voix. Sa principale opposante, Tatiana Korotkevich, n'est présente que pour donner l'illusion d'élections libres et démocratiques. En Égypte, c'est encore plus simple. Le candidat sortant Abdel Fattah al-Sissi était sûr de remporter la présidentielle. Il avait pour seul adversaire un parfait inconnu et partisan de Sissi. À peine un Égyptien sur trois a participé à ce simulacre de démocratie. On pourrait citer encore un bon nombre de pays d'Amérique latine, du Golfe et d'Asie. La liste est longue. Hélas, au sein même de l'Union européenne, on ne se prive plus de déplacer le curseur du mauvais côté. La Pologne qui s'attaque à l'indépendance de la justice, le pays des droits de l'homme qui s'enfonce dans l'état d'urgence, des ministres d'extrême droite qui débarquent au gouvernement autrichien, la démocrature est en marche. Les populistes sont à l'avant-garde, portés par un nombre croissant de déçus de nos démocraties. Pour l'instant, il est toujours bon d'afficher les atouts de la démocratie, notamment pour faire affaire avec les pays libres. Reste à craindre le moment où les démocratures n'auront plus besoin de porter un masque. Mais, dans les faits, les conséquences de cette procédure, souvent décrite comme l'arme nucléaire de l'Union européenne, demeureront certainement symboliques. En théorie, l'article 7 peut en effet déboucher sur une suspension du droit de vote d'un État au sein du Conseil de l'Union. Mais cette sanction doit être approuvée unanimement par tous les autres États membres. Or, la Hongrie a d'ores et déjà promis de s'y opposer. Reinhard Heinrich affirme alors, et je cite, « L'Union européenne n'est pas dotée des mécanismes permettant de sanctionner efficacement les manquements à la démocratie. » On en conclut donc que les citoyens de divers pays du monde prennent de plus en plus conscience que l'exercice réfléchi de la démocratie ne doit pas se limiter uniquement à l'élection de représentants trop souvent éloignés de la composition socio-professionnelle du corps électoral. En effet, l'enracinement profond et durable de la démocratie exige que celle-ci conserve sa légitimité auprès des citoyens qu'elle abrite sous son aile. La force de la démocratie est donc, en réalité, d'offrir la possibilité à ces derniers non seulement d'y participer au quotidien, mais également de critiquer ces dysfonctionnements à travers les nouveaux médias et formes d'expression. Mesdames et messieurs, s'achève ici notre programme. Nous vous remercions pour votre fidélité. Nous remercions également nos invités de nous avoir fait l'honneur d'y participer. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même endroit, mais cette fois-ci pour un débat.